Salut l'équipe! Alors aujourd'hui, on va faire une quiche Lorraine. Alors, pour faire la pâte brisée, il nous faut du beurre, de la farine et un peu d'eau. Et ensuite, pour la farce, il faudra un œuf, un peu de lardon, du fromage, un peu de lait, du sel et du poivre. Alors, on va commencer par la pâte. Alors, on va gentiment mélanger notre farine et notre beurre. On va prendre et légèrement frotter entre les doigts, comme ça, jusqu'à ce que ça fasse un petit peu du sable. Pour faire ça, il faut que le beurre soit quand même assez froid, il ne faut pas qu'il soit trop mou. S'il est trop mou, ça va pas faire du sable, ça va pas être comme il faut. Voilà, il faut appuyer légèrement. Voilà, là, le beurre commence à être bien mélangé avec la farine. Voilà, ça fait un petit peu du sable. On va rajouter un petit peu de sel. On va faire un petit peu la fontaine et on va mettre un petit peu d'eau. Mais un petit peu à la fois, jusqu'à ce qu'on arrive à faire une boule de pâte. Vous voyez, il faut vraiment peu, hein. Voilà. Une bonne pâte qui colle pas trop, qui est même assez souple. Voilà. Et là, on va la filmer et on va la mettre une demi-heure au frigo. Voilà, alors on va continuer notre quiche Lorraine. Alors, j'ai sorti la pâte du frigo pour la mettre dans un. Ou un petit moule ou quelque chose égal ce que vous avez quoi. Peut-être une petite plaque ou comme là un petit plat gratin égal. Voilà, juste aplatir notre pâte, c'est de faire prendre un peu la forme du moule qu'on prend. Voilà, là, c'est juste bomber pour pas que ça colle. Voilà, je vais mettre ma pâte dans le moule. Voilà, bien piqué le fond, pas que ça gonfle, et on va simplement mettre nos lardons dans le fond, et puis déjà mettre environ 5 minutes à 250 dans le four. Pendant ce temps, on va finir la farce. Alors, je vais casser mon œuf dans le lait, le mélanger, saler un petit peu, mais saler pas trop parce que déjà les lardons et le fromage qui vont saler. Un petit peu de poivre, voilà, le fromage. Et voilà, après 5 minutes, quand les lardons auront déjà un petit peu grillé et que la pâte aura déjà commencé un petit peu à cuire, on verse dessus notre masse et ensuite on remet 10 minutes, 10 à 15 minutes au four et après c'est prêt. Bon appétit!